Beaucoup de gens me considèrent comme la plus chanceuse des filles dans ma petite ville du Colorado. J'étais l'enfant unique d'un couple à succès qui n'a jamais voulu me dire ce qu'ils faisaient pour gagner leur vie. Un jour, je devais avoir environ 6 ans. Je me suis faufilée dans le bureau de papa. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Jessica, es-tu dans mon bureau ?»« Où es-tu ?»« Sous ton bureau. Je voudrais que tu m'expliques ton travail. » Papa changea très vite de sujet, de la même façon que maman faisait. Je ne comprenais pas. Mais je ne pouvais me plaindre. Il m'achetait tout ce que je désirais. Et même plus. Un jour, je devais avoir 10 ans. Mes parents rentrèrent après une dure journée. J'étais impatient de les voir. Toute la semaine, ils n'avaient que parlé d'une grande surprise qu'ils comptaient me faire. « Jessica, descends, ta surprise est arrivée !» Alors que je me précipitais en bas, j'imaginais que ce serait sûrement le dernier iPad que j'avais demandé, moi qui étais obsédée par les derniers jouets technologiques. Et quand j'arrivais en bas, il y avait cette fille qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Qui est-ce? C'est ta sœur! Quoi? Je pensais que les bébés sortaient du ventre des mamans. Elle est bien trop grande pour être un bébé. Comment pourrait-elle être ma sœur? Nous l'avons adoptée. Jessica, nous te présentons Rebecca. Et Rebecca, voici notre seule et unique petite princesse, Jessica. Rebecca me regarda, s'avança vers moi et fit une révérence. Enchantée de faire ta connaissance, Jessica. Je ne savais pas comment réagir à tout ça. Mes parents ne m'avaient jamais prévenu qu'ils ramèneraient une étrangère à la maison. Enchantée, Rebecca. Rebecca a mis du temps à s'ouvrir à moi. Une semaine après son arrivée, je pensais que je pouvais faire quelque chose de gentil pour elle. J'ai organisé une fête dans notre cabane, dans les arbres pour elle. Mais à peine arrivée dans la cabane, elle tomba de celle-ci. Rebecca ! J'étais choquée. Je n'avais aucune idée de ce qui avait pu la faire tomber comme ça jusqu'à ce que je descende et qu'elle se mette à crier. Éloigne-toi de moi ! Maman ! Papa ! Elle paniquait, son bras était blessé. Alors que je ne voulais que l'aider, maman et papa ont accouru. Oh mon Dieu, mais que s'est-il passé? Jessica m'a poussée. Quoi? Je ne t'ai pas poussée. Rebecca pleura de plus belle et mes parents l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. J'étais totalement perdue. Pourquoi m'accusait-elle de quelque chose que je n'avais pas fait? Une fois à l'hôpital, j'essayais de convaincre mes parents que je n'avais rien fait. Mais rien n'y faisait. Ils continuaient à douter de moi. Nous avons ramené Rebecca à la maison parce que nous pensions que tu te sentais seule dans cette grande maison. Et si tu ne l'appréciais pas, tu aurais dû dire quelque chose au lieu de la pousser de cette cabane. Alors qu'il me faisait la morale, maman reçut un coup de fil. Elle fit un signe à papa pour qu'il me fasse sortir de la pièce. Ils agissaient tellement secrètement, mais j'avais de plus gros soucis que la vie secrète de mes parents. Je devais m'occuper de cette petite menteuse de Rebecca. Après cet incident, je décidai de me tenir loin de Rebecca et de me concentrer sur ce que j'aimais le plus, l'école. J'étais la plus intelligente et tous les professeurs m'adoraient. Mais il y avait quand même une fille qui me détestait, car elle n'arrivait pas à avoir de bonnes notes. Nancy. Si tu continues à regarder ta note comme ça, elle pourrait se transformer en zéro comme par magie. Nancy, ramène-moi juste mes résultats et arrête d'être aussi mauvaise perdante. Tu seras toujours derrière moi. Alors que Nancy me mettait mon examen sous le nez pour que je l'attrape, Rebecca, la fille, trébuchait soudainement et elle tomba face la première. « Je n'ai pas besoin que tu te battes pour moi. » Après ce qui s'était passé, je détestais Rebecca. Et maintenant, elle essayait de me sauver. C'était le monde à l'envers. Pendant la pause, alors que je faisais la queue pour mon déjeuner, Rebecca était juste derrière moi et commença à me parler. « Je dirai la vérité à tes parents. Tu ne m'as pas poussée. »« Pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai rien fait de mal !» Quand ils t'ont appelée leur seule et unique princesse, j'étais jalouse. Pourquoi m'adopter alors qu'ils avaient déjà quelqu'un qu'ils aiment plus que tout? Je suis vraiment désolée que tu te sois sentie rejetée. Nos parents nous aiment toutes les deux et ils étaient très inquiets quand tu t'es blessée. Et sans prévenir, Rebecca me prit dans ses bras et se mit à pleurer sur mon épaule. Merci de dire que ce sont nos parents. Cela signifie beaucoup pour moi. Après cet épisode, je commençais enfin à m'attacher à Rebecca et nous sommes devenues les meilleures sœurs possibles. Les années sont passées et nous nous sommes retrouvées au lycée. Notre lien était vraiment très fort. Mais un jour, je la trouvais en train de pleurer dans les toilettes. Rebecca, que s'est-il passé? Oh Jessica, tout est ruiné maintenant. Hé, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Ma vraie mère est ici. Elle est la nouvelle concierge. Rebecca a été dans nos vies depuis si longtemps maintenant que j'avais totalement oublié qu'elle avait été adoptée. C'est une bonne nouvelle, non? Au moins tu sais qui est ta vraie mère. J'ai toujours su qui elle était. Elle m'a laissée à l'orphelinat quand j'avais 8 ans. J'ai eu de la chance que tes parents m'adoptent.
Mais maintenant, elle est de retour et elle veut me récupérer. Rebecca me fit promettre de ne rien dire à papa et maman, mais je ne pouvais penser à autre chose. Je l'aimais tellement et pour rien au monde, je ne voulais que quelqu'un ne l'éloigne de moi. Ce soir-là, j'ai donc attendu qu'elle s'endorme et je me suis faufilée dans la chambre de maman et papa. J'ai trouvé Rebecca en pleurs aujourd'hui, mais elle m'a fait promettre de ne rien vous dire. Nous sommes heureux que tu viennes te confier à nous, ma chérie. Tout à fait. Et ne t'en fais pas, personne ne prendra ta sœur. Nous sommes une famille. J'étais tellement soulagée après avoir parlé à mes parents. J'arrivais même pas à trouver le sommeil. Le lendemain, alors que nous rentrions de l'école, nous avons trouvé papa et maman dans le salon. Ils étaient avec la vraie mère de Rebecca. Rebecca me regarda méchamment et perdit le contrôle. Je t'avais dit de ne rien dire. Je sais, mais... Mais rien du tout, Jessica. Tu m'as trahi. Elle s'enfuit dans sa chambre et ce fut la fin de notre lien si particulier. Puis maman et papa dirent quelque chose qui n'avait aucun sens. La mère de Rebecca va vivre avec nous pour quelque temps. Elle veut apprendre à connaître Rebecca. Nous pensons que c'est une formidable idée. Non, maman, elle l'a abandonnée alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Pourquoi faites-vous ça? Je devais tellement lutter à l'époque pour survivre et je ne voulais pas l'abandonner. Je t'en prie, elle est tout ce que j'ai. Après avoir écouté son histoire, je compatis avec la mère de Rebecca. J'acceptai la décision de papa et maman de la faire vivre avec nous pour un temps. Rebecca n'était en revanche pas ravie de ce choix. Le lendemain, à l'école, Rebecca me réserva une petite surprise. Un fromage pourri dans mon casier. Ça empestait. Je vois que tu as reçu mon petit cadeau. Rebecca, mais pourquoi as-tu fait ça? Tu sais très bien pourquoi. Tu m'as balancée. Et les rats mangent du fromage pourri. Je ne l'ai dit à papa et maman que pour te protéger. Sors ce fromage de mon casier. Maintenant ! Rebecca me poussa soudainement contre mon casier. Elle me parla tellement méchamment, comme si elle s'était transformée en monstre. D'une seconde à l'autre, notre amitié est finie, enfant gâté. Rebecca, c'est n'importe quoi. Après ce qui s'était passé avec Rebecca, je voulais demander à mes parents de lui parler. Mais quand j'arrivais à la maison, elle y était déjà avec Nancy. Et quand je suis entrée, mes parents me lancèrent un regard furieux. Jessica, pourquoi as-tu attaqué Rebecca à l'école? Cela ne te ressemble pas. Quoi? Elle ment! Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Son amie dit qu'elle a tout vu. Elles mentent toutes les deux. Rebecca commença à pleurer sur l'épaule de Nancy. Mais dès que mes parents avaient le dos tourné, elle me lança un sourire narquois. J'ai une réputation à tenir à l'école et jamais je ne mentirai. Votre fille Jessica s'est comportée comme une barbare à l'école aujourd'hui. Et si je suis une barbare, tu es le diable. Tu te tiens juste là, à mentir. Ça suffit. Va dans ta chambre. C'est inacceptable. Tu es punie pour la semaine qui vient. Je n'en revenais pas que mes parents ne me croient pas. Ils me regardaient comme si je n'étais pas leur fille. Pendant que je me morfondais sur mon sort, j'entendais des voix juste provenant de la fenêtre de ma chambre. Alors que je regardais au travers de mon rideau, je voyais mes parents et la mère de Rebecca. Sans qu'ils ne le remarquent, j'ouvrais suffisamment ma fenêtre pour entendre ce qu'ils se disaient. « Les filles vont bientôt avoir 18 ans. Il nous faut un plan pour la façon de procéder. » Oh, je me réjouis de pouvoir enfin récupérer l'argent que leurs parents leur ont laissé. Oui, j'en ai assez de jouer au papa aimant. Je devrais être sur une île, à me la couler douce. Et comme ça, je pourrais enfin arrêter de jouer à la concierge. Je ne peux croire que notre plan ait si bien fonctionné. Elles se détestent maintenant. Ce sera du gâteau, de leur faire signer ces papiers. Je n'en revenais pas à mes oreilles. Mon cœur s'emballa quand j'entendais des bruits de pas près de la porte de ma chambre. Je fermais les yeux alors que la porte s'ouvrait. Jessica! Jessica! Je gardais les yeux fermés en espérant qu'elle s'en aille. Elle est presque endormie. Très bien, nous devons être plus prudents avec nos discussions à l'avenir. Une fois la porte fermée, j'ouvrais mes yeux et commençais à paniquer. Je devais parler à Rebecca. Le lendemain, je n'ai pas entendu son réveil. En descendant les marches, je devais rester forte et faire comme si je n'avais rien entendu. Bonjour, petit Loir. Tu te lèves tard aujourd'hui? Ouais, j'ai oublié de mettre mon réveil. Au moins, j'ai encore le temps de prendre mon petit déjeuner. Ou pas, nous sommes presque en retard pour l'école. Ok, je prendrai juste une pomme alors. À peine arrivée à l'école, Nancy s'accrocha à Rebecca comme si elle avait été un pot de colle. Salut ma meilleure amie. Oh, Rebecca, il faut que je te parle. Oh, va voir ailleurs, Jessica. Toi, va voir ailleurs, Nancy. C'est ma sœur. Rebecca me bouscula pour continuer à avancer avec Nancy, qui me lança un sourire moqueur. Je saisis ma chance avec Rebecca quand Nancy se précipita aux toilettes. Rebecca, il faut que je te dise quelque chose de très important. Ah, vous êtes revenues, les sœurs. Non. Et arrête de me suivre comme ça dans l'école. Je n'ai pas envie que tout le monde pense que je suis la fille de la concierge.
Alors que Rebecca s'éloignait de moi, j'essayais de la rattraper, mais sa soi-disant mère m'a retenue. Laisse-la. Elle te parlera quand elle sera prête. Rien que d'avoir sa main sur mon bras me donna la chair de poule. Après qu'elle fut partie, je sus exactement quoi faire pour que Rebecca m'écoute. Au moment de l'entraînement de Majorette, j'attendis que tout le monde sorte du vestiaire et une fois que le champ fut libre, j'ouvris le vestiaire de Rebecca. Je connaissais toujours encore son code. Je cherchais rapidement sa brosse, pris des mèches qui étaient encore accrochées et remis tout en place. Je courus vers le laboratoire où, heureusement, je retrouvais ma professeure de sciences, Madame Brody. Jessica, comment puis-je t'aider ? Je dois tester ces deux échantillons pour savoir si l'ADN concorde. Je donnai l'échantillon de cheveux de Rebecca à Madame Brody ainsi que les miens. À qui appartiennent-ils ? Les miens et ceux de Rebecca. J'ai entendu mes parents parler hier soir. Et ce qu'ils ont dit est vraiment choquant. Ok, mais ne dis à personne que j'ai fait ça pour toi. C'est contraire aux règles de l'école. Je laissai les échantillons à Madame Brody. La prochaine étape était de découvrir qui étaient mes vrais parents. À peine rentrée à la maison, je me suis mise à la recherche de mes parents, d'identité dans le tiroir de la commode. Au moment où je les trouvais, maman fit son apparition. Jessica, je ne savais pas que tu étais déjà rentrée de l'école. Ouais, je viens juste de rentrer et je vais à la bibliothèque. Tout était si étrange à la maison. Je savais que j'étais entourée d'étrangers. Quand je passais à côté de maman, elle attrapa soudain mon bras. Je m'immobilisais. Tu veux que je t'emmène à la bibliothèque? Non, j'ai besoin de faire un peu d'exercice. Je vais marcher. J'étais tellement soulagée de sortir de la maison. J'avais l'impression d'être suivie. Bien entendu, à chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Jusqu'à ce que je repère notre jardinier debout près de la poubelle, agissant comme un passant. Maman lui avait certainement demandé de se déguiser et de me suivre. Mais je ne suis pas une idiote. Je continuais à me diriger vers la bibliothèque, courue à l'intérieur et sortie par la porte de derrière. J'avais semé l'espion de maman. Quand finalement j'arrivais au département des affaires intérieures, mon cœur s'arrêta presque de battre quand j'appris que mes papiers étaient des faux. Comment puis-je trouver ma vraie identité? Tout simplement, votre empreinte. Vous pouvez falsifier un document, mais pas une empreinte. Une fois mes empreintes prises, la police apparut. Ils m'emmenèrent au poste pour me poser des questions. Pourquoi suis-je là? Cela fait 17 ans que nous vous cherchons, ta sœur et toi. Quand vos parents sont décédés, vous êtes devenue pupille de l'État. Mais quand nous voulions venir vous chercher, ta sœur et toi aviez disparu. Tout cela n'a aucun sens. Ceux qui se sont occupés de moi m'ont tout donné. Les personnes qui se sont occupées de toi sont en fait ton oncle et son épouse. Tes parents avaient deux fonds fiduciaires. Le premier était mis en place pour vous assurer une belle vie à ta sœur et toi, mais tes faux parents l'ont vidé. Le deuxième, qui vaut des millions, sera le vôtre à votre 18e anniversaire. Alors que le policier était sur le point de me dire quoi faire, mon téléphone sonna. C'était maman. Jessica, tu dois rentrer. Il est arrivé quelque chose à Rebecca. Je me précipitais en dehors du commissariat après l'appel de maman. Ma sœur était la seule famille qu'il me restait et je devais la protéger, quoi qu'il m'en coûte. Quand j'arrivais à la maison, ce qui était censé être mes parents m'attendaient dans le salon avec Nancy. Qu'est-il arrivé à Rebecca? Où est-elle? Nous te dirons une fois que tu nous auras dit ce que tu manigances. Que se passe-t-il ici? Et pourquoi es-tu là, Nancy? Je suis là parce que tu as vécu ma vie, tout ce temps avec mes parents. Ils ont tout sacrifié pour être tes faux parents, pour l'argent que tu devais leur rapporter. Tu ne ruineras pas tout. Prenez l'argent, je m'en moque. Dis-moi juste où est Rebecca. J'entendais Rebecca crier à travers les murs. Laissez-la partir. Tu devras attendre jusqu'à votre vrai anniversaire, qui est dans 2 jours. Et alors que ces singes avares souriaient méchamment, des policiers enfoncèrent la porte. Je pense que notre anniversaire sera une réussite après tout. Et vous, vous croupirez en prison. La fausse mère de Rebecca fut trouvée et arrêtée. Ma vraie sœur et moi avons eu notre fin heureuse. La morale de l'histoire, les personnes avares sont toujours arrêtées. Alors qu'une vie honnête vous amènera loin.